Ok, bonjour à tous. Vous êtes avec Droid Choc. On est là pour voir la suite du coup de Avatar. Bon, première partie, je me suis perdue. Ouais, perdue. J'ai été à l'autre bout de la map. Donc j'ai regardé à nouveau mon live pour voir où est-ce que je me suis trompée. Et quand j'ai réécouté le dialogue, en fait, ils m'ont parlé d'aller voir une fleur. Et moi, je me suis fiée que au nom de la quête, qui disait d'aller à la falaise. Mais enfin voilà, comme vous pouvez voir la quête en haut à gauche, ça fait rencontrer Taylan et les autres Sarentus au sommet de la falaise. Alors, comment je fais? Voilà. Et du coup, bah, j'ai été à une falaise qui était par là. J'ai été voir par ici, et en fait, pas du tout. Et en fait, c'est cette grosse fleur normalement qu'il faut que j'aille voir, je pense. En fait, il faut vraiment que je fasse attention au dialogue. Salut Spé et salut Mochip. Ça va très bien et vous? Alors, je me remets dans les touches parce que un peu compliqué. Donc là, en fait, j'ai pris le temps de revenir à peu près au point de départ. Et donc, il faut que je regarde vers l'arrière. Il faut que j'aille par là. Donc ici, c'est bien la tour qui a été détruite. Bon, ça se ramasse pas. Là, je vois des nénuphars. Enfin, j'appelle ça des nénuphars, mais. Est-ce que vous avez entendu le son des voix ou pas? Du jeu. Vous entendez le son du jeu ou pas? Je pense qu'il faut que je monte. Il y a une méduse là. Ah, faut que je mange. Je sais plus de nourriture. Ah si. X. Ça nourrit pas beaucoup ces trucs-là. Alors que je retrouve des trucs à bouffer parce que sinon ça risque d'être compliqué. Comment je fais la vision nocturne? Ok, comme ça. Donc déjà, je récupère ça pour faire des flèches. Je vais y arriver. Je sais plus. Hop. Je fabrique des flèches. Voilà. Donc il m'a dit de suivre les papillons. En tout cas, c'est beau. J'aime bien tout ce qui est phosphorescent et tout. C'est trop bien. Ah! En tout cas, ça fait comme dans le film. Quand on les voit sauter sur les feuilles et tout.
Bon, apparemment c'est bon, on entend le son du jeu, donc c'est top. Hop, alors, du coup, pourquoi je fais le tour? Je suis peut-être. Bon, c'est pas grave. Au moins, on a du beau décor. Oui, c'est top. Ah oui, c'est par là. Ah, c'est ça la falaise qui parlait, regardez. Vous voyez, je suis sur une falaise, finalement. Et je l'avais pas croisée, cette falaise-là. Oh, petite grotte. En tout cas, elle saute vachement haut. Regardez. Fouh! Ils sont là. Ah oui, je les vois, ça y est. Ah, on me dit qu'on n'entend pas le son du jeu. Va falloir que je regarde ça. Donc. Comment ça se fait? Là, je pense que c'est bon. J'attends de savoir si on entend bien le son du jeu. Salut Kimi! Comment tu vas? Tiens, dis-moi, est-ce que tu entends le son du jeu? Ça fait une petite musique d'ambiance, puis on les entend rire là-bas. Ouais, c'est bon? Ok, bon, super. Merci Mochip. Comme ça, on va entendre la cinématique. Super, merci Kimi de m'avoir répondu. Cette fleur s'ouvre uniquement pour les Sarentu. Ils se connectent à Ewa. Après tant d'années. Ewa, j'en ai tellement rêvé. Vous êtes sûr qu'on doit faire ça? Ça m'a l'air bizarre. C'est parce que t'en as jamais vu avant. Pandora n'est pas faite de câbles et de métal. Ouais, mais. Tu crois pas que c'est peut-être toxique? Enfin, je veux dire, cette couleur, ça doit vouloir dire que c'est toxique. Ewa ne nous ferait aucun mal. Merci, on m'a dit de me méfier, Ewa. On va se connecter ensemble, d'accord? En même temps. Comme dans le film. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la marque que j'ai faite. Oh, tu me reconnais, mon enfant? Je suis Entu, l'ancêtre. Oui, le premier de ton clan. Les Sarentu parcourent Pandora. Nos histoires tissent des liens avec les autres clans. Tu es nouvelle, n'est-ce pas? Dans ce monde, connecte-toi au Tarsio quand tu as besoin de la sagesse de tes ancêtres et tu rayonneras. Mais avant tout, tu dois apprendre à survivre. La première fois que j'ai vu Pandora, c'est comme la première fois que j'ai regardé l'océan. J'ai vu une immense étendue. Jamais la même, toujours en mouvement. Mais tu peux la traverser pour voyager au loin. Ou bien tu peux venir t'y noyer. Pour survivre sur Pandora, tu dois apprendre à te déplacer comme les vagues. À bondir, à glisser. À évoluer avec la même énergie. Fais en sorte de suivre le courant et vis. Ah,
Bah oui, j'allais pas t'appeler par ton prénom. T'appelles Kimi, donc Kimi. Pourtant, tu devrais avoir l'habitude maintenant. Alors, une fois dans les airs, appuyez sur A pour sauter à nouveau. Ah, je peux faire des doubles sauts. Vous pouvez prendre appui sur une surface verticale pour aller encore plus haut. Ok, c'est génial. Après avoir effectué un boost aérien, vous devrez revenir au sol avant de l'utiliser à nouveau. Ok. C'est quoi le... Mon enfant, ta force et ton agilité de Sard. Ok. Bon bah super. Une compétence de plus. C'est notre ancêtre. Un vrai Sarentu. Vous pensez qu'il sait qu'on est... différent des autres Na'vi? Je ne pense pas qu'on le soit. Nous n'avons pas grandi dans un clan. Nous n'avons pas entendu nos chansons, ni nos histoires. Seulement appris de ceux qui viennent du ciel. La mort, la destruction, la haine. Mais on fait toujours partie d'Eiwa, non? Mercer dit qu'Eiwa fait souffrir. Qu'elle assombrit nos cœurs et nos esprits. Qu'elle nous manipule et... qu'elle nous ment. Il voulait qu'on soit effrayés. Pour nous faire taire. Et pour nous contrôler. Voilà ce qu'est la vie d'un Sarentu. Cette connexion à la Grande Mère. Ok, bon. Oh, elle se ferme. Vous avez des points de compétences à utiliser. Hey, tout va bien de ton côté? J'ai quelque chose à te montrer. C'est quelque chose de très cool. Enfin, pour moi. Mais je suis sûre que t'aimeras aussi. Enfin, parce qu'on a le temps, bien sûr. C'est pas précis. Je suis en route vers le QG. Faut que je retourne au QG. Oh, super! Alors, est-ce qu'il n'y a pas un truc pour que je puisse redescendre... Ah, pour retourner à... une destination que vous avez déjà découverte, vous pouvez ouvrir la carte et utiliser le voyage rapide. X. Hop, et il me parlait des points de compétence là. Donc, j'en ai deux. Les compétences sont des améliorations puissantes pour votre personnage. Certaines augmentent votre puissance de combat. Il y a deux manières de progresser avec les compétences. En utilisant vos points pour en débloquer de nouvelles dans les arbres de compétences. Et en vous connectant aux fleurs de Tarsu. Donc ça, c'est la grosse fleur que je viens de voir, en fait. Donc c'est elle qui m'a donné des points de compétences. Donc ça... il y a 5 arbres de compétences, chacun représente un aspect unique de la vie des Na'vi. Vous obtenez des points de compétences en terminant les quêtes, principales et secondaires. Vous pouvez aussi obtenir des points de compétences en trop. Bah, c'est ce qu'ils viennent de dire. Les compétences ancêtres sont de puissantes compétences accordées à chaque fois que vous vous connectez à une nouvelle fleur. Ok. Tac. Guerrier. Donc ça, c'est les thèmes que je peux améliorer. Passe une bonne après-midi, Kimi. Hop. Voilà. Donc première force activée. Et après, je peux activer d'autres forces... Donc là, j'ai augmenté mes dégâts de base de 5%. Vous pouvez désormais porter deux fois plus de... Ah, ça, par contre, ça va me servir. Bah, je peux pas. Ah, il en faut deux. On voit à droite qu'il faut... Ah, non, même à côté du mot recevoir, il y a marqué deux. Et j'en ai plus qu'un. Donc, et bon, on va faire celui-là. Prédateur de l'ombre... Lorsque vous vous accroupissez, vous êtes plus difficile à détecter et votre vitesse augmente. Pain gourmet.
La durée de vos bonus de nourriture augmente de 25%. Et celui-là, votre santé de base augmente de 30%. Je vais prendre la nourriture. Voilà. Hop. Donc, je suis au QG. On va aller les voir, du coup. Oh là là. Ardmore est furieuse. Comment tu sais? J'ai capté son signal radio. Jake a détruit un autre train de la RDA. Ardmore va mettre les bouchées doubles. Regarde-moi ça. C'est... Tu vois où... Nous contrôlons la qualité de l'air dans toute la frontière occidentale, ici et dans nos labos. Ça s'est vraiment amélioré depuis la destruction du site de forage. Nous étudions les effets pour essayer de les contrer, en repoussant la RDA si possible. Ouais. Sinon, ils vont massacrer cet endroit. Comme chez nous. La Terre ? Alma nous en a parlé. Elle t'a raconté toute l'histoire. Notre planète, c'est fini. Elle se meurt. Parce qu'on ne s'est pas battu pour la protéger. Et maintenant, on se bat pour la vôtre. On va changer la donne, ici, ensemble. Oh, cela qu'espérait de voir aussi. Je lui ai promis de pas oublier. Dis-lui que j'ai pas oublié. Ok. Parlez à Solek, il est dans la salle de maintenance. C'est vraiment super de voir les sirènes tous installés. C'est un peu votre sinon maison. Sinon, je fais hop, la vue. Hop, allez là, la salle de maintenance. Là, c'est plus rapide. Tu as assuré là-bas. Les humains t'ont aussi enseigné leurs armes? Non. J'ai vu la RDA massacrer mon clan. Leurs balles déchiqueter leur corps. Ils m'ont appris comme ça. Je sais ce que ça fait d'être parmi les derniers des siens. Les humains. Ils sont comme leurs armes. Ils n'infligent que souffrance. Mais tes amis faisaient partie de la RDA? Et je ne compte pas les laisser oublier. Mais ce n'est pas leur guerre. Ils se battent pour le souvenir de leur terre, mais nous, nous défendons la nôtre. Mercer a finalement eu ce qu'il voulait. Il a fait de nous des soldats. Tu n'es pas leur création. Tu es Na'vi. Tu apprendras ce que ça veut dire, avec le temps. En commençant par ça, je l'ai fait pour toi. Un collier de vie? Comme celui de ma mère. Tous les Na'vi en portent un. C'est le récit de ta vie que les autres verront. Pour que tu n'oublies pas. Le sien avait plus de perles. Chaque perle représente un grand moment pour son porteur. Je t'en ai mis une, pour l'instant, pour commémorer tes premiers pas vers la liberté. Complète-le, fabrique tes propres souvenirs, ajoute des chants à ton cœur. J'espère que nous y arriverons. Rinella veut vraiment savoir ce que signifie être Sarento. Mais, devant le Tarsio, Nor... semblait confus, perturbé. Eiwa nous montre qui nous sommes, qui nous pouvons être. Mais elle nous rappelle ce qui a été perdu. Pour ton peuple, il s'agit d'un lourd fardeau. La sortie arrière est un peu cachée. Il y est peut-être. L'ennemi n'arrête pas de s'étendre. Bon, du coup, on vient de découvrir que... le collier des Na'vi... augmente de perles à chaque grand événement de leur vie. Donc après, est-ce que ça s'ajoute automatiquement ou pas? Je sais pas. La nuit est tellement difficile. On verra ça au fur et à mesure. Franchement, j'adore trop les couleurs. Ah, c'est quoi ça? Réfléchissez au lien entre deux indices et associez-les. Ok. Donc là, j'ai un indice. Commencez l'enquête. C'est peut-être lié à... Ouais. Elle a pas fini sa phrase. Nor a dû passer par là. Ok, alors... Nor a quitté le QG. Il est clairement passé par là.
Une cosse éclatée. Il a dû la toucher. L'odeur ! Bien sûr ! Je dois la suivre ! Moi, je sens pas d'odeur. Hein. Comment je fais ? Alors, en utilisant vos anciens avis, visez une piste odorante. Pour l'inspecter et découvrir sa source. Ok, il est monté. Ah, c'est trop bien. Priya, tu m'entends ? Je cherchais Nor près des falaises, mais j'ai perdu sa trace. On dirait qu'il a traversé une rivière. Je suis sûre qu'il est pas bien loin. Peut-être qu'il voulait juste explorer un peu ? Peut-être. Je vais continuer de grimper. Bon bah je grimpe. Hein. Elle a dit qu'il fallait continuer de grimper. Hop là. Ah, par contre là, elle a plus d'odeur. Ah, comment je vais faire ? Il a peut-être escaladé la falaise près du QG. Donc là, je suis en haut de la falaise. Est-ce qu'il y a un point ? Ah bah, regardez, il s'est activé. Trouver Nord, donc il faut que j'aille ici. Eh bah, c'est parti. Bah, du coup, je connais, hein, l'autre jour, j'y suis allée. Par contre, il doit y avoir des bestioles. À chaque fois, j'entends des cris. Tac. Bah, il faut que je continue par là. Là, elle est à la falaise. Oh ! Et une démonture. Après, je sais pas si on va pouvoir en monter. Hey, Solek, tu es là ? Je crois que Nor est dans le coin. Tu pourrais peut-être lui parler de ton clan, de ce qu'il ressent. Solek ? Alma et moi devons aller voir un des autres camps. On n'a plus de nouvelles. Tu as l'air inquiet ? Ceux qui viennent du ciel continuent de s'étendre. Tu crois qu'ils l'ont trouvé ? Solek ? Oui, il a dû se passer quelque chose. Ouais, j'ai fait le tour de la falaise entière. J'en ai gravi des montagnes. Hop. Eh ben, il faut continuer de monter. On n'est pas encore au même niveau. Non. Allez, on y est presque. Là. En tout cas, pour ceux qui sont en train de regarder le live, j'espère que vous allez bien. Et du coup, pour vous expliquer un petit peu, je viens juste de commencer le jeu. Enfin, j'ai commencé au dernier live la semaine dernière. Et je me suis perdue lors d'une quête, donc j'ai dû chercher la suite de la quête pendant 40 minutes au moins. Mais du coup là c'est bon, je peux à nouveau avancer tranquillement. Bon, on est bientôt arrivé au point de mission. Je croyais que c'était un truc à récupérer, mais non. Ah ! Voilà. Ah, déjà, je suis sur la bonne route. Hein. Ubisoft présente.
salut. Oh oui. Non, je le veux. Non, t'en veux pas. Trop dommage. Ok, je suis au point. Pourraient se dire nos ancêtres en nous voyant ainsi. Tu penses qu'ils auraient pitié? Qu'ils seraient tristes de ce qu'on est devenu? Nous sommes toujours des Sarentu. Teylan parle à peine notre langue. Mais c'est vrai qu'il a toujours préféré les mots humains. Alma dit que nous avons seulement besoin de toi. Alma n'est pas Na'vi. Pourquoi la RDA est revenue ici? Ils n'en ont pas fini avec Pandora. Ils veulent toujours plus. Alors il faudra se battre. Oui. Ahari l'aurait également voulu. Oh là là. Je t'écoute. Oh, enfin. D'autres unités de la RDA se dirigent vers eux. Vas-y. Je vais rejoindre Rignella et Teylan. On fera en sorte de protéger le QG. Je peux pas avoir une bestiole volante pour aller là-bas? Alors, Oh, j'ai un temps! Oh, comment je vais arriver aussi vite? Voilà! Bien, on saute de la falaise, hop! J'arrive, j'arrive. Ok, j'y vais, Priya. Oula. J'arriverai avant eux, je te le promets. Allez, c'est parti. Allez, on descend, on descend. Wow. Je suis montée aussi haut. Je pensais pas. J'espère que je vais pas me perdre. C'est où mon point Là. Non. Oui. Station de recherche de la résistance. Suivre la fumée vers l'ouest. Du coup, je vois plus la fumée, moi. Ah, je l'ai sauté, la falaise, mais... Il y en a partout, de la fumée, comment vous voulez que je sache? Encore perdu, oui, encore perdu. Il y a de la fumée partout, comment je peux savoir? Je sais... Est-ce qu'on était là et on a regardé par là? Je pense que c'est là, hein. Station de carburant.
Je me suis fait toucher par une plante. Oh là 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 là, il me reste plus que 4 minutes. Comment vous voulez que je fasse? Hein? En plus, il n'y a pas beaucoup d'indications, donc... Ouh là là. On va y aller, doucement. Ouh là. J'espère qu'il va pas m'attaquer, lui. Oh, mince. Si, il m'a attaqué. Sans le vouloir, je pense. Je suis le vent, hein. Je mange. Comment? Oh là 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 là. Ceci des méchants. Monter. Ah oui, ça sert à rien que je monte en fait. Je suis la rivière. Ils disent que c'est au sud de la rivière filée. J'espère que j'ai assez de temps, hein, parce que là j'en suis où? Je suis en train de partir loin là. Au sud. Pourtant, je suis bien au sud. Ça, c'est la rivière Philly, j'imagine. Là. De toute façon, le vent, il m'indique que c'est par là, la fumée. Je suis. Je suis peut-être pas perdu. Hein. Non, non. Soyons pas pessimistes. Je sais pas monter. Oh là là, il y a une grande falaise. Ça va pas être possible. Purée. Je suis pas au bon endroit, mais. Ah là là, il y a que moi ça. Ah peut-être. Non. Plus vite, plus vite. Il reste plus qu'une minute trente, je vais jamais arriver. J'aurais dû sauter tout droit à la falaise, quitte à mourir. Ça se trouve, j'y suis presque. Ah non. Je peux même pas monter. Ah, il y a une grotte. Peut-être que je passe par la grotte. Ça fait mal. Je sais pas ce qui m'a tapé, mais... C'est où ça? Bah du coup, non. C'est... Et bah je suis perdue. Oh, il y a un truc à récolter. De toute façon, il me reste plus que 20 secondes, alors du coup, c'est mort. Mince.
Voilà. J'ai raté la mission. Mais par contre, là, dès que ça va me faire revenir, je saute direct tout droit. Y a pas, c'est pas la peine, je cherche pas. Donc, ça a explosé par là-bas, je vais tout droit, je tire. Allez, dans l'eau. Ah, moi, là, pas mal. Voilà. Allez, tout droit, tout droit, tout droit. Ah, déjà, j'ai ce message-là alors que tout à l'heure, je l'avais pas. Je me dépêche. Faut pas aller plus vite. S'il te plaît, dépêche-toi. Ça avait l'air grave et je sais pas quoi faire. Anka est dans un des labos et Dani. Ok, j'y vais, Priya. Pour te tuer, ça risque d'attirer la RDA vers le camp. J'arriverai avant eux, je te le promets. En tout cas, je suis dans le bon sens, ça c'est sûr. J'entends des tirs. Ça tire pas aussi loin. Non, je peux pas. Le temps presse. Ok, il faut que je me dépêche alors. Je peux pas m'arrêter. J'ai où du coup ? Il fallait que j'aille hyper loin en fait. Oh, c'est là ? Non. Ah ouais ! Mais c'est hyper loin. Je suis le tronc hein, du coup. Ah, il y a encore des méchants. Là, c'est quoi le petit point là ? C'est une tige cloche. Ouais, sauf que c'est pas ça qu'il me faut. Bon, en tout cas, je suis dans le bon sens, c'est sûr. Oh là là, ils vont me voir. Je crois qu'il y a une plante qui fait mal. En tout cas, je suis toujours dans le bon sens. Ah, c'est là. Oh bon sang, j'y suis. Donc c'était bien le... Ah non, c'était même pas le point où j'allais. Parce que je pensais ici. Et du coup, en fait, c'est là. Bon, maintenant, il s'est affiché le point, mais... qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Suivre la... Oui, mais du coup, je suis toujours pas arrivé au point, parce que le créneau est toujours actif. Alma, c'est trop tard.
Comment ça? Allez, ne lâche pas. Ok, je suis arrivée. Et merde! Comment ils nous ont trouvés? Aucune patrouille ne passe par ici. Ils sont à notre recherche maintenant. Oh. Ok. Ça va aller. D'accord. Écoute-moi bien. Ça va aller. Regarde. Tu as déjà vu ce genre de choses? Non. N'aie crainte. C'est facile. D'autres vont bientôt arriver. Il faut que je le stabilise. Alors fais vite. Il y a une raffinerie un peu plus loin. Je vais essayer d'attirer la RDA là-bas. Ne les laisse pas approcher d'Alma et d'Adjir. C'est bon, tu vas y arriver. Oh, je vais me prendre un assaut. Je reviens vite. Ou ça va être compliqué, là. Je vois d'autres soldats arriver. Attention. Du coup, comment j'utilise ça? Utilise la fronde à manche pour placer des pièges stratégiques et prendre l'avantage sur les ennemis en approche. Ouais, mais du coup, je... Ouais, je dois tirer dessus. Comment je fais? Ah! Non mais je vais jamais y arriver là. C'est des pièges stratégiques, sauf que... Ouais, bah c'est facile tout ça. Ça va, il bouge pas trop en fait. Ah mince, j'ai pas eu. Mince. Ok, heureusement que j'avais fait le... Oh là là. Je pense que c'est terminé. On n'est pas encore tiré d'affaire. Ok. Adjir saigne toujours. C'est grave. J'ai besoin d'une trousse de soins. Il y a des réserves pas loin. Du matériel médical, au cas où. Je vais en chercher. Tiens bon. Bon, il devait y avoir des choses dans les caisses, non? Non. Il n'y avait rien du tout dans les caisses en fait. Et en haut peut-être?
Non, en plus j'ai faim et je peux même pas manger, j'ai pas de nourriture. Je sais pas comment je vais faire. Cage à grenade, ok, c'est pas ça que je voulais. Alors ça je sais pas ce que c'est. C'est le truc pour les flèches. Mon inventaire est plein, c'est génial. Ça, je crois que c'est pour le soin. Oh, sa coche médicale est pleine. Ça veut dire que j'en ai assez. Il se trouve à l'est de... Trouver le matériel médical, il se trouve à l'est de la station de recherche. Ah, donc là, la station de recherche... À l'est, donc sur la droite. Alors là... Je suis censé être par là. Je le vois pas. Ça? Non? Comment je fais quand l'inventaire est plein? De toute façon, je vais mourir. Oh là là, je vais mourir. Alors là. À part ça, je vois pas ce que ça peut être. Oh, je suis bien à l'est. Je vais mourir de faim. Ah, le point bleu. Non, mais c'est pas possible. Déjà, je peux manger. Oh là là, il était temps. Alma, j'ai trouvé le matériel. Je fais au plus vite. Fais vite. S'il te plaît, fais vite. Oh là là, ils sont tous revenus. S'il te plaît, il y a un autre Narvi par ici. Il va m'aider. Parfait. Les explosifs sont prêts. Ça devrait suffire pour attirer les autres. Le camp devrait être désert. Oh là là, le temps que ça recharge. Je crois qu'il n'y a plus personne. Non. Elle est où l'entrée de ce machin? En bas. Ah là là. On chaud. L'a échappé, Ben. Il y avait beaucoup d'AMP. C'est la première fois que j'en vois autant. Ce sont les jouets préférés de Mercer. Mm-hmm. Tu as l'esprit vif. Je suis désolée de ne pas avoir pu t'aider. J'ai eu de l'aide. Solek a fait diversion. Et... Et tu as vu cette Navi? Les Ikran sont sans peur. Et ils protègent farouchement leurs chevaucheurs. Un scorpion de la RDA ne fait pas le poids face à eux. Navi, marcheur de rêve et totouté. Vous combattez ceux du ciel sans aucune aide? Vous êtes courageux. C'était incroyable, la manière dont tu as détruit cette chose. Merci. Attends. Tu portes la marque. Tu
Tu es ça, Rentu. Les conteurs, les faiseurs de paix. Mon père dit que ton clan a disparu il y a des années de cela. On vous croyait tous morts. L'esprit des Sarentu ne s'éteint pas si facilement. J'espérais seulement trouver la résistance ici, mais... les Sarentu... Je suis Etua, Sarik, de Aranae. Je connaissais ta mère. Je suis navrée. Notre maison souffre également. Ceux qui viennent du ciel nous envahissent et la terre se meurt juste sous nos pieds. Cependant, mon peuple, l'arbre maison, nous ne sommes pas des guerriers, mais la guerre est là. Mon père refuse toujours de se battre, mais il connaissait les Sarentu. Il vous écoutera. Il le faut. Il faut que je les ramène. Les autres, il faut qu'ils sachent ce qui s'est passé. Bien sûr, je vais t'aider avec tes blessés. Mon arbre maison n'est pas loin d'ici. Dis-leur que je t'envoie. Mais ils ne pensent pas tous comme moi, alors s'il te plaît, ne va pas dire que je t'ai... aidé. Que les courants du vent portent ton esprit. Bah dis donc. Soplek, un autre Navi est venu m'aider. Et toi, du clan Aranae, elle m'a dit de venir à leur arbre maison. Peut-être que d'autres Navi vont nous rejoindre. Ça m'étonnerait. J'ai déjà essayé. Ça s'est mal passé. Leur chef, Kaanat, m'a presque jeté dehors. Il n'est pas facile à convaincre. Il n'a pas peur de la RDA ? Au contraire. Ils lui ont fait beaucoup de mal. Et il ne veut pas que son peuple souffre encore plus. Je le comprends. Les Aranae sont un clan uni. Mais la guerre a créé des tensions. Beaucoup préfèrent fermer les yeux sur la vérité. Mais une Sarentu pourrait les aider à voir. En plein de bâtons, parce que j'en ai tout le temps besoin et je fais jamais attention. Ah, des munitions. Ok. Donc. Trouver l'arbre maison des Aranae. Le plus grand arbre dans la forêt soyeuse. La forêt soyeuse. Ah, par contre, il faudrait que j'aille voir la tige cloche, je crois. Déjà, je vais faire ça. Est-ce que je peux récupérer la... Ah non, je peux pas la prendre. C'est dommage que la map, elle s'affiche pas en haut à gauche. Bon, là, je vais tout droit. Hop, comme ça je vais avoir plein de munitions, ça c'est top. Je regarde si par hasard je peux pas trouver des... de la nourriture. Parce que là j'ai plus rien dans l'inventaire. Il y a un ennemi. Wow, je l'ai explosé. Pourquoi ça m'a dit médiocre? L. Mince. Mince. J'appuie sur R.
Polype vessie, une plante qui s'est adaptée au sol riche en sel. Ok, je peux pas la récupérer? Non. Oh, il y a un tracé là? Ah, c'est la rivière? Non? Ah non, c'est une senteur. Un méchant là-bas. J'ai hâte de mettre la main sur quelques peaux bleues. Aïe. J'ai dévié. Qu'est-ce que je peux récupérer là-dessus? Rien? Je peux rien récupérer? Trop dommage. Et lui? Voilà. Il est où l'autre mort? Non, je le vois pas. Hop. Du coup, eh ben j'y suis. Je l'ai passé. À mon avis, il est juste au-dessus. Donc, pour monter. Je monte. Là, là, j'ai vu un sac. Ok, une sacoche. Je sais que j'ai vu un autre. Ah oui, il y avait un panier. Je l'avais pas vu. Ah, mais il est là, mais comment je fais? Parce que là, j'arrive pas à sauter ici. Ah, encore un truc là. Peut-être passer par l'autre côté. Ah! Et j'ai trouvé un truc. Ah bah il est juste en face. Ok, je l'ai. Tiens, c'est quoi ça? Si je saute là, je meurs. Ouf. Ok. Donc. On a dit, trouver l'arbre maison. Forêt soyeuse. Je dirais que c'est ça, hein. Je suis dans quel sens? Je suis pas dans le bon sens, faut que j'aille par là. Non. Encore un cran. Voilà.
C'est moi ou c'est le tronc, ça? Non, c'est pas ça. C'est quoi ça? Je peux monter ou pas, celui-là? Il est trop bizarre. Non. Je peux pas en faire quoi que ce soit de celui-là. Allez, c'est parti. Je regarde s'il n'y a pas des méchants qui me suivent. Parce que, vous savez, les espèces de guépards, là. Oh, il y a du feu. Ah, c'est de là où je viens ? Non. Ah bah oui. C'est quoi là-bas ? Une feuille. Tac. Faut que j'y parle là. Ouch. Ah, c'est celle-là qui me tue. Ça fait quoi si je lui tire dessus? Ça fait rien. Je veux mon arche. Il est où? Je crois qu'il faut pas que je le tue, ce truc-là. Il s'est barré, mais je sais même pas par où. Ah, là par contre, il y a une plante à récupérer. Ah, yes. La nourriture, ça va me servir. Hop. Alors, hop, droite. J'ai mon iris qui s'est dessiné là, sur l'écran. Donc c'est que je suis dans le bon sens. Des cris bizarres. Un petit peu là. Ah! Je sais pas, c'est quoi cet arbre? Comment je fais pour ranger l'arme? Merde. Ah voilà, fallait que j'appuie Y longtemps. Ok. Hop. Donc celui-là, il est fait. Et bien, il faut que j'aille toujours par là. Donc là, normalement, je suis dans le bon sens. Oups. Ça va, ça gère rien. Youh ! Ça, ça va m'exploser à la tronche. Salut Kivar ! Comment vas-tu ? Qu'est-ce que ça fait, ça ? Ça fait aller rapidement, trop bien. Alors, toujours tout droit. Merveille du tisseur. Afficher la carte. On dirait une Sarentou. Oui, je suis une Sarentou.
Ouais, moi aussi, je vais bien. Bah, écoute, on fait une petite partie de gaming. Tu as déjà joué à ce jeu-là, toi ? Je vois pas d'arbre. Oh, la fumée qui ressort, là. Non, tu avais pas joué ? Et ça t'intéresse pas ? Ou juste que tu l'as pas, quoi. Oh, il y a de l'odeur partout, là. Pas ultra fan des jeux adaptés de films. Ah. Ouais, c'est vrai que... Des fois, ça peut... Merde, comment dire. Il y a du courant là-dedans. Ça peut décevoir. Mm. Bon, honnêtement, j'aime bien. Je trouve, en plus, avec le graphisme et tout, et puis l'univers, j'ai toujours aimé. Bon, en tout cas, je suis dans le bon sens, vu qu'il y a des... Tire pas loin. Ah, c'est bien ici. C'est quoi le monstre là ? Ah oui, d'accord. Est-ce que je peux les tuer ? Je tire dans la tête. Ils ont la peau dure. Pourquoi j'entends plus de coups de feu? Ça, c'est trop bizarre par contre. Ça me dit par là. Terre s'arrête tout. Allez, un peu de viande. Bah, le prochain jeu, Modchip, c'est pas pour maintenant, pour moi en tout cas, parce que la semaine prochaine, là, je serai en déplacement. À voir avec Druid Tech, je verrai avec lui. Mais moi, personnellement, je vais restreamer qu'à partir de la semaine du... qu'à partir du 19, voilà. Mais non, mais il y a que moi pour faire ça. J'avais plus de flèches. Oh bah, je suis morte. Essayer. Bah, du coup, je suis plus au même endroit. Oh. Ouais, peut-être pas. Il va streamer, mais peut-être pas des jeux vidéo.
ce sera autre chose. Bon, hop, on continue. Ah bah il est là le grand arbre, ça y est, je le vois. Alors par contre, je vais quand même regarder si j'ai des flèches. Et je vais me récupérer des bâtons. Il va nous mettre un boulard à... Oh là 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 là. Après ouais, il serait capable. Non, non, non. Pas de ce genre. En tout cas sur cette chaîne-là. Lubinaire. Une étrange plante aux allures de lampe. Qui se défend des menaces à proximité en émettant certaines couleurs bioluminescentes. Ah, c'était même pas ça que ça me montrait. Ah, ça, par contre, ça m'intéresse bien. Arbre fontaine. Rien faire avec ça. Ok. Ah, déjà j'ai des petites brindilles. Ah, mais il est en haut, l'arbre cloche. Comment ça s'appelle, je sais même plus. Six cloches. Non, ça c'est un outil. Ah mince, je vois pas. Ah, il y a. Ok. Bonjour JMRT. Ouais, je joue sur PC, mais avec une manette adaptée. Parce que j'avais pas trop envie de jouer au clavier avec... Enfin, pour ce jeu-là, en tout cas. Jamais vu comme toi avant. De quel clan es-tu ? Quelle étrange vision. Et toi m'a invité ici, pour rencontrer son père. Qu'as-tu sur le visage ? C'est la marque des Sarentu. Mais les Sarentu que nous connaissions n'auraient jamais défié Ewa avec cette ferraille humaine. Je ne connais rien d'autre. Ils nous ont pris quand nous étions enfants. Ils ont pris tellement de choses. Tu es parti bien longtemps. Et tu es encore jeune. Ton esprit a-t-il été façonné par les Sautoutés ? Ou te souviens-tu des coutumes de ton clan ? Allons, veux-tu ranger cela ? Le regard vif, digne des Sarentu, mais plus intense. Laisse l'arbre maison te soulager de tes fardeaux. Nous allons ajouter de la couleur à tes joues, ou à ta tenue tout du moins. Ici, tu vas renouer avec les coutumes de ton peuple. Oh. Leurs histoires me manquent tellement. Ils aimaient récolter la soie, la douce odeur de la teinture, Mayantu. Kadnat, je m'occupe de la Sarentu. La pauvre enfant ne connaît rien de nos coutumes. Va. Nous parlerons quand tu seras installé.
Je dois retourner parler au père des Toa. Lui parler de la résistance. Les pouces passent pas sur la barre espace. Ouais, j'ai des petites mains, tu le sais. Hein. Il est notre holo Ektan, le chef de notre clan. On va d'abord te nettoyer un peu. Ta vue pourrait effrayer un Hansik. Et puis, je te déconseille de lui parler de ceux qui viennent du ciel. Ils ne sont que problèmes, et Kapnat n'aime pas les problèmes. Je vais plutôt te faire visiter. Hein? Tu veux bien? Oh, cela fait une éternité que nous n'avons pas accueilli de Sarentu. Les tiens rendaient nos vies plus intéressantes. Une fois, ils nous ont raconté l'histoire du rare rituel d'accouplement des Akrou géants. Apparemment, il peut durer des jours. Mais je te raconterai ça plus tard. Notre grand arbre renferme de nombreuses histoires. Il a vécu tant de vies, accueilli tes ancêtres, comme toi aujourd'hui. Et aucun Sarentu n'a jamais pu résister à notre danse des couleurs. Viens, viens voir mes tisserands. Koranu, mon ami, regardons ton œuvre. Magnifique soie, n'est-ce pas? Elle n'est plus aussi résistante depuis que les fleurs des Kinglor se sont fermées. Mais tu ne trouveras rien de mieux. Elle est bien plus solide que la laine de Zakrou, tu peux me croire. N'en déplaise à ces essois prétentieux. Koranu est une brillante tisserande. Elle t'aidera dans tous tes labeurs. Oui, j'ai besoin de me changer les idées. Ça fait des heures que j'y travaille et je ne suis pas encore satisfaite. As-tu récupéré les jeux épiques ? Ah non, pas aujourd'hui. Il va falloir que je le fasse. Je le ferai juste après le stream. De toute cette beauté. Comme ça. En parlant de ça. Parce que j'ai voulu le faire tout à l'heure, sauf qu'en fait, c'est qu'à partir de 17h. Donc, vu que j'ai commencé à 17h. Tu t'es perdu, peut-être. Reloun ! Tu as enfin décidé de me faire l'honneur de ta présence. Et avec une Sarentu, qui plus est. Intéressant, tu ne trouves pas ? Une autre âme perdue a guidé à travers les sillons rocheux de la vie. Le progrès t'attend, Sarentu. Ah, il m'en veut toujours. Si tu es futé, tu ne la laisseras pas te remplir la tête de soie et de teinture. Le goût est le cœur des Aranae. Reloun est un peu colérique, mais c'est le meilleur cuisinier. Faut encore que je la suive. Et il le sait. Et voici mon ami, Kitangi. Nefika, tu prends déjà la jeune Sarentu sous ton aile? Il en aurait bien besoin. Oh, regarde-moi un peu ses vêtements. Lamentable. Aussi hirsute qu'une pousse griffue. Tu n'as pas hérité de la grâce de tes ancêtres. Eux savaient comment s'habiller. Désolée, je n'ai jamais rien connu d'autre. Qu'importe, tu brilleras de nos couleurs désormais. Tu ne feras qu'un avec la forêt, ma Yantu. Notre soie te sera bien utile. Elle est doublée de peau de Sturmbeast qui te protégera des dangers du dehors. Ou te rendra au moins plus dur à digérer. Sturmbeast ? Cet enfant s'est chassé. Jusqu'ici, je m'en sors pas mal. Pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Pensez-vous qu'on peut survivre pas mal? Itou est parti chasser. Je suis sûre qu'il saura te guider. Si tu arrives à le trouver. Il y a un campement de chasse près de l'eau. Il sera là-bas. Mais ne perturbe pas sa chasse. Il en serait mécontent. Va, ma Yantu. Et chasse respectueusement pour montrer à Kanat que tu sais y faire. Bon, on va aller chasser. Rien ne presse, chasser. Mon enfant. Tu peux partir si tu veux, mais si tu as besoin de te reposer, reste profiter de notre magnifique récolte de soie. Aucun Aranahe ne t'en voudra.
Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui? Ah, on peut acheter la nourriture. Ça me coûte combien? Je n'ai pas besoin. Allez, va. J'ai ma vie à fond, ma nourriture à fond. J'ai gagné un gant. Sojek, je suis arrivée chez les Aranae. Tu avais raison à leur sujet. Mais l'une d'eux m'a accueillie, Nefika. Elle pense que je peux impressionner Katnat en lui prouvant que je sais chasser. Je t'ai envoyé chasser? J'aurais dû t'enseigner cette aptitude. Ne t'en fais pas. Nefika m'a dit que l'un de leurs chasseurs pouvait m'apprendre. Iitu. Je viens d'obtenir un point de compétence. Ah, j'en ai 3 en stock. Tac. Donc, ici, c'est... Ok. Pour s'accroupir et aller plus vite. Vous ne faites aucun bruit quand vous vous êtes déplacé accroupi. Double la quantité d'ingrédients de cuisine obtenus en chassant. Inflige plus 25% de dégâts. C'est pas ça que je veux. Je veux plutôt en combat. Vitalité. Vos dégâts de base augmentent de 5%. Vous pouvez désormais porter 2 fois plus de flèches. Ah, ça peut être pas mal. 15%. Je pense que je prends les flèches. Ce sera mieux. J'en ai jamais assez. D'ailleurs, je vais me faire des flèches, du coup. Hop. Pas de bâton. Non. Bon, on continue. Hop. Ceux qui viennent du ciel, près de la rivière. Ils agissent comme des nuisibles. Ils s'incrustent où ils veulent, ils ravagent tout, puis ils s'en vont. Mais cette fois-ci, il n'y en avait qu'un. Seul, sur une petite île avec un grand arbre déraciné. C'est étrange, non? Est-ce que nous leur avons donné plus de courage? Seul, vraiment? Est-il toujours là où tu l'as vu? Oh, ce Totoute a vite compris. Après s'être fait chasser, il a commencé à s'enfuir en criant. Ça m'a bien fait rire. Mais quand même, qu'est-ce qui a attiré un Totoute dans cet endroit? Nouvelle quête. Ok. Donc moi je vais aller chasser. Elle est où ma quête de chasse? Tige cloche. Voilà, déjà j'enlève mon repère. Tac. La quête. Mince, où est-ce que je les vois mes quêtes? Là. Tawook a vu une personne seule sur une petite île. Elle pêchait dans la rivière filée à l'est de l'arbre maison. Nefika m'a dit de trouver Iitu, le chasseur Aranae. Au camp du répit du chasseur. Le camp se trouve au sud-ouest de l'arbre maison. On peut le trouver sur le bord, enfin sur la rive nord, pardon, de la rivière filée. Donc, sud-ouest de l'arbre maison. Faut que j'aille. Sud-ouest. Ça doit être par là, du coup, à peu près. Katnat sait que la guerre est une folie. Bien sûr, mon point il apparaît pas. Droite.
Elles sont trop bien les plantes là qui donnent de la vitesse. Je vois personne. Normal, je suis pas au bon endroit. Oula. Du coup, je suis pas sûre que ce soit par là qu'il fallait que j'aille. Oh là là, c'est quoi ça? Il y a beaucoup de monde là-dedans. Bon, je sais pour monter, je voudrais me mettre à un endroit sûr, hop. Qu'il aurait fallu que je fasse. Oh, je vais mourir. Purée, vous voulez me brûler, l'enfoiré. Sale petit enfoiré. Game over. Ah, je prends. Je vais me battre jusqu'au bout. Oh, bon sang. Y'a que moi pour mourir comme ça. Alors, je suis revenue ici. Ah oui, d'accord, je suis de l'autre côté de la rivière. Tac, donc ça doit être par là. Dessus lui. Donc. Ok, je suis dans le bon sens déjà. Ah! Ok, c'est là-bas. Ici, ça doit être l'endroit où le chasseur il se trouve. Je sais pas, c'est trop bizarre là, les petites lumières. C'est Itou ? Ah oui, répit du chasseur. J'étais pas du tout au bon endroit en fait. Enfin, pas du tout. C'était à côté quoi. Je peux rien en faire de ça ?
profite, hein, on vole un petit peu de nourriture. L'heure est au repos. Répit du chasseur, contribution de clan. Les clans coopèrent pour s'assurer que tout le monde a ce dont il a besoin. Je peux peut-être y contribuer aussi. Et toi est une championne. Nous devrions tous combattre à ses côtés. Recueillir une contribution pour le clan. Croc de loup vipère. Ok. Donc ça, c'est mon inventaire. Pourquoi tout à l'heure, il me disait qu'il était plein alors qu'il n'est pas plein du tout, mon inventaire. Katnat a raison. Évite les conflits inutiles. Du coup, il est parti tout en haut, j'imagine. Attends, déjà, je vais enlever ça. Hop. Voilà. Ça, c'est quoi? Ah, ok. Pour la fabrication de choses. Vraiment, je peux pas. La nuit ne fait que allez, commencer. On monte. Nous devons y aller. Cristaux. Héroïque et loyaux, Zomé. Elle doit faire le mince. Et Itou partagent le même cœur. Et toi se prend pour une guerrière. Je trouve que c'est même pas en haut qu'il faut que j'aille. Il y a encore des choses en haut. Faut que je monte par où? Voilà. Oui, je crois que c'est lui. Ah non. En fait, c'est juste qu'ils vivent comme ça. Bah, du coup, je sais pas où est-ce qu'il est. Ah, là-bas, il y a. Ouais, il doit être avec son dragon, du coup. Lala. Ah, bah oui, c'est ça. Hé, hey, arrête! Ne t'approche pas! Tu n'es. Ton Ikran est magnifique! Pour ma Zomei, aucun vent n'est trop fort, aucun défi trop grand. Nous chassons avec le cœur en harmonie. Tu viens nous admirer? Je ne peux pas t'en vouloir pour ça. Non, je cherche Itou. Ainsi, mon nom est parvenu aux autres clans. Même ceux qui se sont éteints. Laisse-moi deviner, c'est Nefika qui t'envoie. Elle veut que j'enseigne la barbe. Rester paisiblement à l'arbre maison à narrer des aventures aux petits. Que pourrait-il comprendre? Que représente le danger pour ceux qui ne l'ont jamais connu? Zomei et moi, on parcourt les cieux. Nos cœurs palpitants, nos sens en éveil. C'est l'adrénaline qui nous rend forts, intrépides. Nefika m'a dit que tu chassais les Stormbeasts. Je peux venir? C'est bien cela que tu veux? Les Stormbeasts ne sont pas des proies aisées. J'en ai déjà chassé un auparavant. Vraiment? Et à quel point as-tu fait souffrir cette pauvre créature? Montre-moi, je veux voir tes talents légendaires. Points faibles des animaux, visez les points faibles des animaux grâce à vos sens navi. Ah, d'accord. Donc. Arc lourd et tout. Il faut que je fasse quoi du coup? Ah! Non, c'est pas ça. Ils me disent pas par où aller.
Mmh. Et lui, je peux pas le prendre. Ouf, il a pas apprécié. Il m'a éjecté. Ah, d'accord. Fallait que je tire sur la cible. Pourquoi j'arrive pas à sortir mon arc ? Ah. Voilà. Tu as choisi ta pire arme. Cherches-tu à te compliquer la vie ? Ah. Approche. Pas mal. Au moins ton remerciement aura du sens. Mon remerciement ? Vraiment ? Comment vivait ton peuple ? Quel genre de vie as-tu mené ? C'est une longue histoire. Si je voulais écouter une longue histoire, je serais chez moi. Quand tu chasses, tu prends une vie innocente. Tu dois remercier le frère ou la sœur dont tu prends la vie et qui retourne auprès de la grande-mère. Je te vois. Ton esprit retourne auprès d'Eiwa et ton corps va devenir un avec le peuple. Merci pour tes présents. Ainsi, tu lui permets de rejoindre ses ancêtres. Bien, souviens-t'en et ne gâche pas les présents ainsi reçus. Les présents? D'accord. La peau, la viande. Tu sais quoi en faire? Ah, Nefika te montrera. Vas-y. Tu n'as plus besoin de mon aide. Alors, niveau quête. Donc j'ai deux quêtes. Donc celle-ci. Ou celle-ci. Donc Nefika m'a dit de trouver Itou. Donc ça c'est bon, c'est fait. Il faut que je retourne voir... Nefika. Alors j'ai activé le pistage mais il n'y a rien qui s'affiche. Heureusement qu'il y a une map. Hein. Voilà, je le vois l'arbre. On va manger un petit bout. Elle devrait être près de l'âtre. Hop, voilà, il y a le petit point bleu à l'intérieur. Elle est où l'entrée de cet arbre ? Ça, c'est une autre chose. Oh là là, elle est où cette entrée ? Il faut juste que je monte là, puis je vais la voir. Non. C'est un grand arbre, hein. Ouais, elle est dedans, mais... Comment je rentre ? Ah, ça y est, je crois que j'ai trouvé. Voilà. Yeah.
est-ce qu'elle est ? Elle est en dessous ? Comment je descends ? Je viens pas de par là, j'espère. Non, je venais pas de par là. J'aimerais bien un dragon. Salut Street. Comment tu vas ? Oh ! Et c'est reparti. Eh oui, c'est reparti. Tu as enfin décidé de me faire l'honneur de ta présence. Voyons. Tu sais combien j'aime ta cuisine. Mais je maintiens ce que j'ai dit. Ce n'est pas vraiment... C'est même pas inefficace. Là. Une bouchée de mon yovo grillé avec des graines de sari. Tu voilà. Viendras me supplier de te donner la... Bah écoute, ça va très bien. Hein. Je ne supplie On se fait jamais, un petit... mon cher un petit avatar. J'ai un peu de viande de ma chasse. Nefika m'a dit que... Tu m'as envoyé cet enfant perdu pour m'embêter ? Tout n'est que plaisanterie pour toi. Elle dit que tu es le meilleur cuisinier. Ah, c'est une vraie charmeuse. Enfin un peu d'honnêteté, Nefika. Je suppose que ça fait partie de sa stratégie. Elle compte toujours sur la flatterie. Allez, viens, arrête de ronchonner. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Ça taquine, ça taquine. J'aime pas Minecraft. Enfin, pas trop, en tout cas. Toua m'a dit qu'il souffrait. Ah, les Kinglors semblent agités. Nous les avons recueillis depuis que leurs fleurs se sont refermées, mais ils sont trop nombreux. Ka'nat préférerait qu'Etoua se consacre entièrement à leur bien-être. Mais cet enfant fait de son mieux. Allez, concentre-toi. Ka'nat devrait voir qu'il te reste quelques talents Na'vi. Et j'aimerais aussi en être témoin. Ouais, pour pas connaître Atar, effectivement, faudrait vivre dans une grotte. Mais qui sait, hein, y en a qui connaissent pas. Hein. Bon, par contre, ce serait vraiment de quelqu'un de non cultivé, quoi. Comment je fais pour le fabriquer ? Comment ont-ils pu encore rater ça ? Ah ! Faut que je fasse X. Ok, donc j'ajoute le matériel, et après je fais X. Hop, accepté. On va se faire des gants aussi. Des grottistes. J'avais jamais entendu ce mot-là, tiens. Mmh. 15 bonus de santé. Et si je mets celui-là, c'est la même chose. Ah, non. Donc il y a 15 bonus de santé, peu importe ce que j'utilise comme cuir, enfin comme peau. Mais là, ici, j'ai la résistance aux attaques à distance de 1%. Et pour celui-là, j'ai la furtivité 2%. Je vais prendre la furtivité. Hein. Accepté. Ah mince, j'aurais dû faire équiper direct. Fabriquer un nouvel équipement à partir de peau. Ah bah du coup j'ai pas utilisé la bonne peau. C'était celle-là. Bien. Va montrer à Ka'nat comment tu as mêlé ton style au nôtre. Comme le faisait ton peuple autrefois. N'aie pas peur de lui. Il aboie plus qu'il ne mord. Je te rejoins après. Parler à Ka'nat. Dans la salle du conseil. Le fromage de Zaklon ferait des merveilles avec ça. Je sais pas où est-ce qu'il est.
Et toi, ce là-bas. Tu te plais ici? Comment je fais pour monter? Alors. Là. Non. Non, je peux pas monter d'ici. Donc je viens de par là. On va commencer par là. Ah bah non, ça me fait ressortir. Il faut que je grimpe par l'extérieur. Ouais, de 8 à 10. Ah ouais, tu streams sur quoi à partir de 11h30? Ou tu commences à travailler? C'est vrai que... Il y en a qui font pas forcément le pont. Ah, il est où? Ah, il est encore en bas. Je suis trop montée. Tu taffes. Ah, il y en a qui ont pas la chance de faire le pont. Et les baies cuites juste à la bonne température rajoutaient du croquant. Tu taffes dans quoi? Tu en veux une autre part? Nefika a bien travaillé. Tu ressembles au Sarento que nous connaissions. La perte des tiens nous afflige. Leurs conseils nous étaient précieux. Mais nous savons que tu n'es pas ici pour transmettre leur sagesse. Ceux qui viennent du ciel. La résistance les combat, mais elle a besoin d'aide. C'est la raison de ta venue. Tu te présentes dans notre arbre maison. Même toi, tu dois ressentir sa chaude étreinte. Et tu me demandes de prendre les armes? Non. La guerre est déjà là, s'il te plaît. Les Aranae ne cherchent pas le conflit. Et pourtant, tu viens nous exhorter au combat. Te souviens-tu de ta famille? Un peu. Ma mère. Son sourire. Sa chaleur. L'as-tu vue mourir? A-t-elle souri une dernière fois essayant de te rassurer? As-tu vu la lueur d'Ewa quitter les yeux d'un être cher? Eh bien, je vois que tu as fait forte impression. Ka'Nat ne s'énerve pas facilement. Prends garde, ma Yaontu. Je ne voulais pas le mettre en colère. Ne désespère pas. Tu devrais aller au sommet de notre arbre. Notre Tsaïk est revenu. Que le chef est là. Des commerciales dans les mobiliers de bureau. Ok. Sympa. Tu vends aux entreprises, quoi. Et les vacances d'août, il y a encore un petit peu de temps. Et toi as raison. Ceux qui viennent du ciel sont des ordures. Du coup, retrouver et toi dans le nid des Kinglor, au sommet de l'arbre maison. Ouais, tout à l'heure, je suis montée en plus. Du coup, c'est parti. Et jeté dehors, près de la vallée du canal. Ah, c'est pour ça qu'on a autant de poissons. Ton voyage a été... Nous il est tellement immense l'arbre. Et toi devrais le savoir. Mais qui es-tu? Oh, ça va, en mai il y a beaucoup de jours fériés quand même. Faut en profiter pour poser et faire des grands week-ends. La guerre ne peut pas être évitée, surtout pour les chasseurs. Comme ça fait patienter jusqu'à août. Au sommet, là-bas. Oui, quand ton patron l'autorise, ouais. Effectivement. Je fais beaucoup d'efforts, mais les choses... Ah, elle est de l'autre côté de l'arbre. Oh, bon sang.
Bah dis donc, faut que je fasse deux fois le tour, je pense. Hein. Oh, bon sang. Ah, c'est vrai, il y en a, ils ont pu justement poser deux semaines en mai. Mon frère, par exemple. Quand il y a de la chance. Je dois faire sortir un groupe aujourd'hui. Leur faire prendre l'air, en quelque sorte. Elle est pas au sommet. Elle est juste là. Je peux. Les Kinglors sont tourmentés. Autrefois, la forêt leur appartenait. Les Sautoutés les ont chassés, j'en suis certaine. Il ne reste que ce nid ? Oui. Et les Kinglors sont vraiment trop nombreux. Ils affaiblissent notre arbre. Ah. Tu vois, la reine prend bien soin d'eux. Elle les protège. Elle est née en sachant déjà quoi faire. Comment les guider. Elle sait quelle est sa place. Comme l'a toujours dit ma mère, un cœur assuré fait des ailes solides. Elle a toujours su les apaiser. Je la trouvais ici à l'aube, à s'occuper d'eux. À chanter pour eux. Son amour les nourrissait. Ne t'inquiète pas, ils ne sont pas méchants. Les Kinglors sont de nature tranquille. Mais ils ne sont pas dociles lorsqu'ils sont menacés. Leur piqûre est vive, et les seins restent unis. Nous devons piquer, nous aussi. Et tout, où est-il? Ton père souhaite lui parler. Il n'est pas revenu. Il faut prévenir Katnat. Attends, ce n'est pas nécessaire. Nous allons le retrouver ensemble. Notre peuple a besoin de sa Tsahik. C'est moi qui vais m'en occuper. Laisse-moi l'accompagner. Tu m'as déjà aidée. Maintenant, c'est à mon tour. Ils ont besoin de toi ici. Là où je dois être. Bon. Bénédiction des Oies finie. De dans la forêt près des falaises. Vefilou va aller chercher. Et on arrive à 19h. Du coup, j'ai fait 2 heures de stream, hein, comme prévu. Je stream demain matin de 8 à 10. Donc pour ceux qui veulent venir, eh ben, avec plaisir. Ce sera sur du Genshin Impact. Et du coup, bah, je vous remercie de m'avoir suivi pour l'aventure Avatar d'aujourd'hui. Et je vous dis à demain. Et une bonne soirée. Salut !